Ok les amis, ben voilà, je prends mon courage à deux mains pour tenter un nouveau jeu d'horreur. Enfin, c'est pas nouveau, hein, il date de 2020, je crois celui-ci, mais bon, je viens de me le procurer. Made of Scare. Alors, c'est un truc d'horreur, il paraît que c'est un truc, il faut être furtif et tout. Je ne sais pas, je connais absolument pas, je n'ai vu aucune vidéo de ce jeu, dont à part le trailer. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On va le découvrir ensemble. J'ai juste fait les petits réglages des options. On est en mode normal. Difficulté. Là, attends. C'est quoi? Tranquille? On peut pas changer le mode une fois la partie commencée. Les ennemis, les dégâts sont retirés du jeu. Bon, non. Non. Facile. Les joueurs découvrant le genre de l'horreur, expérience de jeu plus tranquille. Les joueurs ont plus de santé, les ennemis sont plus faibles, moins agressifs, munitions et objets de santé. Ouais, moi je vais faire facile. Je connais pas du tout ce jeu. Et comme c'est un jeu de furtivité, c'est pas trop ma spécialité. On est dans un train! En tant qu'ancien conducteur de train, je vous raconte pas. Oh, les trains me poursuivent toute ma carrière. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare, I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love. Il faut faire une musique avec ce médaillon pour contrer les mauvais esprits apparemment, je sais pas. C'est son amoureuse qui lui demande, voilà, ok, on va voir ce que ça donne, je sais pas. Dim Ong Kalung Lang Angonu, c'est quoi? Seul un cœur pur sait chanter. Ça doit être un truc vietnamien cette... Ah non, c'est brut, attends, ça se passe où ça? Waouh, ça m'a fait sortir les yeux des orbites là. Ça se passe en Angleterre ou en Irlande ou je sais pas quoi. Servez-vous des phonographes pour sauvegarder votre partie. Ouh là là, c'est comme les anciens Resident Evil, il faut sauvegarder sur des phonographes. C'était des téléphones, non? C'est plus. F. C'est quoi? Faire pivoter. On peut faire pivoter, il y a quelque chose de marqué derrière peut-être? Non. Avec la souris, on peut faire pivoter la partition. Ok, et maintenant je fais quoi? Partition de Thomas Ewans. Ok, je fais quoi maintenant? Esc. Voilà. Le train s'est arrêté. Scare Island. Ah, c'est une île. C'est une île qu'on vient. On va en train sur une île. D'accord. Je peux rien prendre. Je regarde un petit peu tout ce qui se passe, j'essaie de découvrir les trucs. Je peux pas vendre ma sacoche ni mon truc. Okay. Un peu bizarre ça. Pourquoi je peux pas prendre mes affaires? F, non, on peut pas, hein, y a pas de. Y a pas d'icône. Y a des bagages qui bloquent le chemin pour pas qu'on aille par là. On est obligé d'aller par ici. Tab, inventaire. Alors j'ai. Le médaillon musical de ma bien-aimée, elle est jolie en parenthèse, et la partition. D'accord, ok. Alors. Un peu bizarre, hein. Mais on n'a pas trop le choix. J'oublie rien. J'ai quand même pas pris mes affaires, hein. Je peux pas prendre rien d'autre. D'accord, ok. Bon, descend. Scare Island. Ah, le train va se retailler là. Une carte. Pourquoi des valises partout?
Il y a plein de valises abandonnées, ça fait un peu bizarre. Ah! Bon, ça sert à rien. Que. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bah, je fouille, hein. J'ai aucune idée. Bon, on va suivre le chemin, hein. Pas de caténaire, c'est un train diesel. Pas vu la locomotive, elle est comment? Ah, c'est peut-être les trains en charbon encore. Ah ouais, il y a un château d'eau là pour courir. Youhou! Un panneau. Scare Point, Scare Hotel. Pourquoi je peux... Pourquoi il y a un battement de mon cœur? Putain, on entend des chiens. Bizarre, hein, ce jeu quand même. Ça commence bizarre. Ah. Scare Hotel, grande réouverture. Grande réouverture de Scare Hotel, performance spéciale par Elizabeth Williams, la nouvelle jeune fille de Scare. Fille de l'illustre chanteuse Prudence William, profitez de la paix revigorante des sources minérales de Scare Point. Ah, j'ai pas vu la date. 1900 combien? 1897. Waouh! Ah ouais, ça ne rajeunit pas ça. Hein. Ah, jolie musique. Attention aux chiens méchants. Oh lolololo. Je vais me faire bouffer par un chien. Et après, je peux pas rentrer. Il y a une commande que je ne comprends pas. Bon, je vais retourner voir les poteaux indicateurs. J'ai peut-être raté quelque chose. Je sais pas rentrer là. Ah, je suis en train de m'épuiser. Le train, il part pas en plus. Hôtel. Qu'on entend les battements de mon cœur, je ne sais pas à quoi ça sert. On entend le chien. Ah, peut-être on peut rentrer par ici. Il y a un chemin que je n'avais pas vu. Je vais me faire attaquer par le chien, c'est sûr, on entend aboyer au loin. Oh là là. Tout cassé. Ah, un phonographe. Pour sauvegarder. On peut rentrer au moins ici. Youhou! On est rentré. Il y a un phonographe, ouais. Je vais d'abord fouiller la pièce. Hein. C'est joli. Graphiquement, c'est pas mal du tout. Ah, la pendule qui fait tic-tac. Un piano. Il y a sûrement un ordre dans lequel il faut jouer la musique, je parie. Sauvegarde, waouh. Due to my newfound fame and fortune, that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which... Mother? Mother? Darling, can't you see I'm reporting? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Them runs are safe.
bon, apparemment c'est fini. Bon, là il y a une partition qui est écrite. Là il y a un piano. Mais je connais absolument pas la musique. Mon inventaire. R pour examiner. Ok. Mince. Ça, on peut faire quoi avec examiner? Ah, il y a un triangle. Un oiseau, on dirait un quoi ça? Un phénix qui renaît de ses cendres. Et il y a le signe de tout en... C'est pas le signe du nombre d'or, je sais plus. Oh là là, t'es à l'envers, la dame. Allez, attends. Ma bien-aimée, reviens! Voilà. Ok. Bon. Attends, c'est quoi ça? Aucune carte disponible. Phonographe, j'ai fait le premier. Ah d'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait un petit menu. Dans quel ordre il faut faire ça? Je ne sais pas. Il y a des pédales. Attends, ça a l'air. Je sais pas ce qu'il faut faire. On comprend rien que la musique. C'est mal barré pour moi avec la musique là. Je sais pas. Ok. Parce que maintenant ça fait pas trop peur. Hein. Par le chien qui aboyait au loin. Oula! Ça a l'air tout cassé ici. C'est un petit étang, il y a une barque. Je sais pas. Ce jeu est mystérieux. On n'a pas vraiment d'indice ce qu'il faut faire. Je vais pas courir maintenant parce que si je dois m'échapper. Trop sympathique l'endroit, hein. C'est assez sauvage. C'est vrai que c'est abandonné même. Ah, y a... On peut passer au-dessus là. On peut pas sauter, non. On est obligé de suivre le chemin. Oula, il y a des trucs lumineux. Aïe 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 aïe. Soucoupe volante. Ah 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 ah. Il y a quelque chose qui bouge. C'est le chien? C'est le chien! On a vu une apparition hein, lumineuse. Et on peut rien faire. Je suis coincé? Ah non. Le chien! Il s'est barré le chien. Un vieil étang abandonné avec toutes des barques, de la boue, de la vase. Des trucs qui flottent, un petit kiosque. Tout abandonné aussi. Des poissons? C'est bizarre comme truc quand même. Heureusement qu'il fait pas nuit, parce qu'on là. La nuit, ça doit être flippant ici. Le chien s'est barré. On est obligé, on n'a pas trop le choix. C'est assez directif. C'est pas en mode libre. On entend encore le chien. Je suis revenu à l'entrée. Ah non. Hôtel. Ne dis pas que j'ai fait tout le tour. Voilà, on peut pas passer. J'espère que là je peux passer, sinon c'est foutu là.
Et la chanson ici. Il y a de la lumière, il y a quelqu'un à la fenêtre. Oh, une vieille charrette. On remonte vraiment dans le temps ici. Un vieux carrosse. Je peux pas aller par là. Il y a un vieux carrosse tout cassé. HH. On entend chanter. Ah, un truc de bateau. Non? Pas. J'ai mon cœur qui bat. Je peux pas passer par là. Et une porte? Ah! On peut l'ouvrir! Il y a quelqu'un à la fenêtre à l'étage là-bas. Regardez, il y a de la lumière. Ah non, c'est les rideaux. Ah, ils mettent encore grand reopening, grand réouverture, mais tout est abandonné, hein. C'est trop bizarre. Ah, il y a une petite porte secrète. Allez hop. Oui, ça débarras. Ah, c'est pour ouvrir. Ça ouvre la barrière. On a entendu la barrière. Ah, c'est trop bizarre. Je peux pas prendre une arme ici. Ce jeu est vraiment bizarre. J'ai ouvert! Après, je suis coincé, non? Ça va se refermer sur moi. Ça va se refermer sur moi ou pas? Encore une calèche. Ah non, c'est une voiture! C'est une voiture, il y a un volant! C'est des vieilles voitures pourries! Oh! Il n'y a pas de moteur. Pourquoi une voiture? C'était tiré par des chevaux, ça, quand même. Ouais, un attelage ici, non? Ouais. Ils avaient déjà des volants. Ah, yeah. Rentrée, ouverture. Bon, la grille s'est pas refermée. C'est déjà de bon signe. Un petit coup d'eau bénite? Non. Ok. Aïe, 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 aïe. Servez-vous des phonographes pour sauvegarder. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut mieux que je sauvegarde, c'est ça? Mais les amis, on découvre ce jeu, parce que maintenant c'est un truc d'ambiance. C'est assez bizarre. C'est pas moche. C'est bizarre, moi je dirais, voilà. C'est un peu envoûtant. Bon, là on va commencer à flipper. Hein. Aïe, 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 des bruits. Je vais appeler GusDix pour faire une enquête ici, parce que là, il y a sûrement des fantômes. Bonjour! On m'a dit de venir faire de la musique ici. Allô? Il y a quelqu'un? Aubergiste? Tavernier? Il y a un téléphone. On m'appelle au téléphone. Oh, c'est... Une carte. Oh, c'est un plan. Objectif. Répondre au téléphone. Aïe aïe aïe. Et le téléphone est là, à gauche. Il est là derrière. Je vais pas répondre tout de suite. Je vais explorer. Oh là là. Ça me fait peur. Je vais quand même répondre au téléphone. Hein. Apparemment, c'est l'objectif du... Notre de la grande réouverture d'Isaac. Attends, fais pivoter, y'a rien derrière. Ok. Répétition générale. Préparatif du grand harmonium. Test de son. Y'a que le test de son qu'ils n'ont pas fait. Ok. Ok. Attends, attends, y'a un truc là. Jolie madame. Ah, y'a un truc là. À la mémoire de Prudence William, la jeune fille de Scare, puisse ta chanson être éternelle. C'est un petit hôtel commémoratif. On dirait qu'il y a un passage secret là. Non. On peut pas y aller. Ça fait peur les bruits là. Ok. C'est Thomas, c'est toi Elisabeth. Thomas, my Thomas, you
do not know how wonderful it is to hear your voice. Bah ouais. Que s'est-il passé ici? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Ouais, je me rends bien compte. Où es-tu? I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Elle est barricadée dans le grenier, elle peut pas. J'entends des bruits derrière moi. Ta lettre disait que... I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Bon, de qui te caches-tu, Elisabeth? My father and uncle, the staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. On se fait attaquer par des gens possédés. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. Bon. Alors, on résume. Il faut pas faire de bruit. Cet endroit est hanté par tous les gens, son père, son oncle, le personnel sont possédés. Il faut pas faire de bruit parce qu'ils attaquent tout ce qui fait du bruit. Donc faut cache-cache quoi. Par exemple, si je fais ding ding comme j'ai fait tout à l'heure, c'est très 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 dangereux. Je sais pas si j'inspecte la grande pièce. Je vais pas trop courir, alors pas faire de bruit. On peut se accroupir, mais on peut pas sauter, par exemple, vous voyez? Non, si je fais ça, ça va faire venir les... Si je fais ding ding, c'est pas bon, hein, c'est ça? Bon. Je vais aller dans le petit passage que j'avais trouvé tout à l'heure. Voilà, je rentre. Ok, des boîtes. Ouh, un plan. Ouah, c'est grand. Qu'est-ce que c'est? Merde! J'ai sonné! Ça fait quoi? J'appelle... C'est pour appeler... Tant pis, hein, j'ai cliqué, je clique tout, moi. Kitchen. La cuisine, le théâtre. Je crois que j'ai fait une connerie, là. J'ai sonné partout. Ah, trouvé un papier. Je cherchais les cylindres dans l'hôtel. Fouillez l'hôtel. C'est quoi que j'ai trouvé là? Phonographe. On est toujours pas... Ok, je suis dans la petite pièce ici. Là, c'est le phonographe, c'est ça? Je sais pas. Oh, des trucs coincés là-bas. M carte. Ah d'accord. J'ai trouvé un morceau de la carte quoi. Ça pue tout ça. C'est quoi ça? C'est des toilettes? Merdouille. On peut se cacher? Non. Ça aurait été bien si on pouvait se cacher dans l'armoire là. J'ai entendu courir. Cet objet ne peut pas être utilisé. J'ai pas la clé pour aller là. Okay. C'est fermé à clé. Okay.
Toilette, réception, ouais, ça j'ai fait. Toilette, réception, ok. Aïe, ça s'ouvre! Ah, ça c'est le grand hall. Parce que maintenant j'ai pas vu de monstre, mais c'était que j'en vois un, je vais mourir quoi. Let me out, for heaven's sake! Who's there? Who are you? Y'a quelqu'un qui est enfermé. Je m'appelle Thomas Evans. Henry! Henry Hughes, you must get me out! Hurry, we must get this door open. Pourquoi vous êtes enfermé ici? Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry, do something. Je vais chercher une clé. What? No, no, don't leave me. They might return any minute. Ça sent le piège. Oh, do something. I can't break it down from my side. Et dès que je vais l'ouvrir, il va m'attaquer quoi. Aïe, je vais la casser. Ouais, je suis con. Good. Good. Try again. Order man, throw yourself into it. Wait. No. They're coming. Oh God, please no. No, don't do this. What have you want, I? Bon bah voilà, il est mort. Ok. Regardez. Il faut pas que je l'ouvre, si. Bordel. Je vais me perdre moi ici. Oh là 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 là. Une poupée musicale. Ok. Ah, c'est peut-être pour faire la remontée et faire du bruit pour attirer les fantômes autre part. C'est quoi? Électricité? Je peux rien faire, pas d'interaction. Je suis où moi là? Lolololol. Ah, c'est un ascenseur. C'est quoi? Merdouille. Fermé à clé. Ah, j'ai poussé un bouton et j'ai tout éteint moi. Je peux pas leur remettre la lumière? Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était ici qu'il y avait le bouton. Hein. Ah, ça a foutu tout. J'ai fait tout péter moi là. Je peux rallumer ici? Est-ce que ça remarche ou je vais encore tout faire péter? Ah! Ça s'est ouvert! C'est un ascenseur! Oh putain, j'y vais pas! Je vais continuer à fouiller le rez-de-chaussée d'abord. Il y avait une porte là pour le hall. T'es où ça? C'est quoi une chapelle? C'est une église. De mort. Ah, il faut mettre une clé. C'est un endroit pour mettre une clé. Ça ouvre un passage secret sûrement, ça. J'ai rien trouvé jusque maintenant. Un cylindre! J'ai trouvé un des cylindres! Wouhou! Putain, ça fait peur ça. Statue, on dirait qu'elle veut être anglaise là. Pourquoi? Pourquoi il y a des sonnettes? Je comprends pas, les sonnettes ça sert à quoi? À attirer les monstres? C'est con là. Ça je peux mettre?
faut un genre de clé, hein. C'est une serrure là. Regardez, ouais. Ah. Lire. Et le Léviathan, vas-tu le pêcher à l'hameçon et ta ligne de fer à la langue? Passeras-tu un jour dans le naseau? C'est quoi ces conneries? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Tiendras-tu en laisse pour tes filles? Vous assurez. Aussi, je vais me lamenter, hurler, j'irai déchausser nu, j'entendrai une lamentation, la lumière des dragons. Pour rien dire ce truc, c'est connerie quoi. J. Objet ramassé, 1 sur 20. Phonographe 1, note 3. Ok, bon. Il y a peut-être des autres objets alors. Je suis où moi? Je suis dans la chapelle. Il y a un truc là. Ah, mais c'est ça. Voilà, ça c'est le passage secret. Pourquoi il y a des trucs comme ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Où il y a des fantômes, je sais pas. Bon, je crois pas que je puisse encore faire quelque chose ici. Faut quand même regarder encore une fois. Hein. Ouh là là, je crois que c'était une chaise de torture. Mais... Pourquoi il y a ding ding, je ne sais pas. Lugubre hein, quand même. Ça c'était où il y avait le mec qui me disait d'ouvrir pour l'aider. J'ai pas pu ouvrir la pièce. Oui, il y a une pieuvre. Je suis pas venu ici. Je suis où? Ah, je suis pas venu dans cette. Il y a un phonographe. On peut sauver. Youhou! Quand même fouiller d'abord. Pas allumé. Petite musique sympa, ça veut dire qu'on est plus ou moins en sécurité ici. Je sais pas. Porte-manteau. Je sais pas pourquoi il y a tous des bagages, mais on peut pas les utiliser. Y'a rien. Ok. Bon, on va sauvegarder les amis. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, oh. Haunting all hills! Is that filthy mongrel inside again? Father, she still pines is all. She misses... I'll give it a reason to pine. Come here, you mutt. Abraham? Abraham! Where is that useless brother of mine? Father, please! Please, she just misses mother. Abraham! Abraham! I'll be rid of this dog once and for all. Il va tuer le chien? Isaac Williams. Bon les amis, je vais rester là pour cette fois-ci, justement, ce sera la première épisode, une petite introduction d'ambiance apparemment. C'est pas passé grand-chose hein, dans les monstres. On verra ça au prochain objectif, la prochaine fois. À bientôt, ciao, ciao.